Et bonjour, bonjour Internet, bonjour petit canard, ici Casamania, j'espère que vous avez la forme, la pêche, la patate, les amis. Moi je l'ai, je vous retrouve aujourd'hui pour jouer un petit peu. Pour jouer à quoi? On va se la mettre bien, on va se la mettre tranquille. On est en cet après-midi en mode détente, en mode zen, on va pouvoir discuter, on va pouvoir jouer et découvrir ensemble ce jeu de cartes de la licence The Elder Scrolls. Donc, The Elder Scrolls Legend, actuellement en open bêta, bêta ouverte, gratuite. Donc, est-ce que ça sera un concurrent Hearthstone? On va voir. Donc, comme d'hab, je suis beau, je suis grand, je suis fort, je suis en débardeur, je suis en mode bière, je suis en mode camionneur, comme vous aimez. Et on va jouer tranquillement pour l'après-midi. Voilà, et puis bonjour à ceux qui nous regarderont en rediffusé sur YouTube. Salut, Little Bast. Pas de soucis, bah écoute, un peu de musique. Un peu de live, comme ça tu peux jouer, regarder le live en même temps. On va se tester ce petit jeu. Et donc bienvenue à ceux qui nous regardent en diffusion sur YouTube sur cette première vidéo de The Elder Scrolls Legend. Alors, pour commencer, sachez qu'il y a un mode histoire. Il y a un mode histoire qui vous permet de... qui fait office de tuto au début. J'apprécie Et moi j'en suis toujours déjà au chapitre 9. Donc ça on va rend voir. La vie marine plus À la vôtre. intéressante. Et les pirates, vous aimez? Non, ce sont de vraies ordures. Traiter un honnête contrebandier comme un marchand ordinaire. Il n'y a pas d'honneur chez les crapules. Donc chapitre 9, je sais pas combien de chapitres en tout, mais c'est divisé en 3 gros chapitres, il me semble. Le mode histoire vous permet surtout au début de comprendre comment marche le jeu, c'est un espèce de tuto, de débloquer vos premières cartes, etc. Donc là j'imagine qu'on va combattre contre des pirates. T'es parti. Mode histoire, vous avez gagné un nouveau deck. Un deck peut contenir des cartes de deux attributs. Votre premier deck utilisait force et volonté, le nouveau agilité rendu. Et ben on va utiliser le deck contrebandier du marais noir. Voir ce que ça donne. Oui, vas-y. Bon, c'est un deck de base, on va l'accepter, hein. Alors, Casamania contre pirate. Un bateau pirate fait des allers-retours sur les marins, vous apercevez un pirate sur la proue. Quand vous démarrez ce go, vous obtenez un élixir de magie bonus qui vous offre un gain de magie temporaire. Utilisation 3, pourquoi 3? Utilisez 3 fois. J'ai volé cette cargaison sans tricher. Envoyons ces maudits voleurs goûter à l'eau salée. Allez, zou. Donc, je suis second. Qu'est-ce que je défausse? Préservateur de Vernargonien, garde en... qui fait des plus 2. 7 points de magie. Ça va mettre à la fin, ça plutôt. Recrue, coup fatal. Je sais pas. Garde, ok, gagner plus 1 de magie maximum, ok. Alors, 3-1, 2 plus 1 tant qu'il n'y a aucune créature ennemie dans cette rangée, donc on va... Il va falloir que je mette... Restez vigilants, compagnons, ou cette tempête va vous envoyer valser. Pas sûr. Ouh, ça a l'air chiant ça, c'est quoi ce truc? Rangée venteuse, à la fin du tour de votre adversaire, une créature aléatoire change de rangée. Oh, c'est bâtard. Ah, je peux utiliser ça, de toute façon j'ai oublié. Bloup. Prophétie, oui, ouais, d'accord. Rebelle des dunes, 3-1. Coup fatal, détruit n'importe quelle créature à qui elle inflige des dégâts. Ça, c'est bon. Comptez sur moi! Les vents sont avec nous! Meurs, misérable chien! Donc là, je risque de mourir déjà. 2, je peux mettre ça, mais c'est une prophétie, je vais la garder. 3. Ouh, alors ça peut être malin. Élixir, je cale ça là-dessus. Et ça one shot les ennemis. Donc on one shot celui qui a trop de PV. Pas mal. Meurs, misérable chien. Thank you.
Par mon honneur. Alors, je suis à... 3. Quand Rizoliste est en jeu, votre magie maximum est augmentée de 1. Garde invoqué, gagne plus 1 de magie max. Et ben on va mettre le garde. Les eaux de la vie. Bon, comment ça me cramer un peu la gueule. Prophétie garde, c'est bon ça. La Hop. Forêt est ma force. Meurs, oh, misérable chien. Allez, on va lui faire un peu de dégâts, cet enfoiré. Je suis à 5. 3, 2. Par mon honneur. Par la graine et l'amertume. Mêlez-vous de vos affaires. Bon, on va mettre la magie max. Je tiens le pouvoir de ces arbres. Et on va mettre... N'éprouvez pas la patience de votre serviteur. Comme vous, j'aimais l'aventure. Magnus, dieu de la magie, sois à mes côtés. Qu'est-ce que c'est ce truc? Protection, quand le sorcier d'Ilac prend perd protection, sa puissance est doublée. Protection prévient les dégâts la première fois. Ah bah putain. Bon là, faut être malin. -1/-1 pour toutes les créatures ennemies. Coup fatal. Coup fatal, c'est bon ça. Donc coup fatal. Fait chier parce que lui il a 4 quand même. Et ça il fait mal lui. Faut réfléchir. Ça. Pas de problème. Clean. Mêlez-vous de vos affaires. Clean. Par mon honneur. Misérable peau sèche. Ainsi c'était écrit. Alors, coup fatal. Coup fatal, si tu veux, c'est un bonus qui fait que si tu tapes sur un... Alors, t'as l'ennemi. L'ennemi, c'est le boss. Hein. Enfin, c'est celui qui joue. C'est le joueur. C'est toi et l'ennemi. Et t'as les... coup fatal, c'est les créatures que tu poses sur le... C'est les cartes que tu poses. Donc, coup fatal, même si tu fais que 1 point de dégâts, coup fatal fait que tu one-shot... tu détruis d'un coup les créatures. Donc si par exemple moi mon recrute guild il fait un coup fatal sur un mob qui a 10 PV, il le tue. Et prophétie, ce sont des cartes, si tu veux, tu vois, j'ai mes points de vie en bas là. Je suis à 22, on commence à 30. Et à chaque palier de moins 5, donc à 30, quand je passe à 25, je loot une carte aléatoire. Quand je passe à 20 PV, je loot une carte aléatoire en plein combat. Et si c'est une carte prophétie, je peux la jouer automatiquement même si c'est pas mon tour et gratuitement. Je sais pas si j'ai été clair, mon petit bouchon. Je sais pas si tu joues Hearthstone, toi. Tu joues à ce genre de jeu ou pas, Little Bast? Alors, on a un coup fatal, ça peut être bien, j'ai le poser là. Sur moi. La puissance de l'esprit me submerge. Si vous avez plus de points de santé que votre adversaire, invoquez une créature choisie. J'ai pas encore. Par mon honneur. Allez, on y va. Là, il va prendre méga cher. Là tu vois par exemple il est passé en dessous des 20 PV, il vient de looter une carte. Là il va passer sous 15, il va looter une carte, regarde. Hop, hop voilà. Et si c'était une carte prophétie, il aurait pu la jouer automatiquement, directement, sans attendre son tour. Et du coup j'ai plus de PV que lui. Et donc si je fais ça, je peux poser mon nécromancien qui va me faire un bonus. Je pioche une créature. Je pose une créature. Oh là là, beau gosse. Et là, prochain tour je le fume. Ah, t'as été à jouer, mais t'as arrêté. Ouais, mais Hearthstone, j'ai joué un petit peu, j'ai toujours un peu de mal. Pourtant, j'aime bien hein, les jeux de. Mes TCG, la preuve. La preuve, hein. Et je préfère l'univers de The Elder Scrolls. Donc, je vais un peu tester ça, on va voir ce que c'est.
Inflige 2 points de dégâts à une créature alliée. Ah oui, d'accord. C'est parce qu'il est pas cher à mettre en place, mais il a un malus. C'est con comme truc. Alors, réflexion. Il a 14, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bon, bah, on va le finir. Hein. On va le finir, on va s'équiper de, quand même, histoire de dire. Et là, on va le tuer. Par mon honneur. À moins qu'il sorte une prophétie de je sais pas où. Vous ne me verrez même pas venir. Ah. C'est prophétie. Ouais, il me faut un crocodile là, quoi. Misérable peau sèche. Par mon honneur. Pas de problème. Bon, voilà. Easy. Niveau son, on est bon, mon cher ami. Victoire. Attaquer et détruire 15 créatures, donc il y a des quêtes aussi hein, qui permettent de gagner des golds. Et les golds, je rappelle, ça permet d'acheter des paquets de cartes. Hop, sur Stone. Durant une submerge l'ennemi avec la taille et la résistance. Léviathan démarré. Ouh. 8-8. Il faut le poser aussi. Hein. Momie, prophétie, garde, prophétie. Garde, ouais. Ouais, pas mal la momie là. Suppression 0, infliger silence, une créature, enlève toutes les objets, compétences et modifications. Bien, bien, bien. Moi aussi j'adore les jeux de cartes, mais Hearthstone, je sais pas, ça m'énerve trop d'y jouer. On est bon niveau son, merci. Ouais, moi aussi, Hearthstone, je sais pas si je trouve. De toute façon, j'arrive jamais à gagner sur Hearthstone, je sais pas pourquoi. Et c'est, là, je préfère les mécaniques de jeu de TES Régent. Vous a tué. Peut-être. Ou peut-être que c'était les occupants. De Rototo. Là, tu vois, il y a quelques différences avec Hearthstone. Ça y ressemble dans le niveau gameplay, mais encore autre chose. Le plateau est divisé en 4, comme tu as pu le voir. Bon, on va garder le deck contrebandier, hein, ça marche bien. On fera notre deck au prochain chapitre. On va clean le mode histoire, histoire d'être bon. Et après, on dirige contre deux joueurs. Spriggan. Vous êtes second. Alors, la mur impériale qui fait du 0-6. Le Shorus Forer. Je vais l'enlever pour le moment. Hop. J'ai l'impression que sur Hearthstone, on tombe sur les mêmes decks à chaque partie. Ouais, et puis c'est vrai que sur Hearthstone, il y a une espèce de mentalité que les gens ils jouent tous les mêmes decks à la con parce qu'ils ont vu des guides sur internet qui leur disent que ça c'est le deck qui fait tout. Et je trouve ça très dommage. Allez, on va mettre la recrue. Comptez sur moi. Qui fera un coup fatal, qui mourra pas contre le petit le crabe là, le Vazar. Qu'est-ce que j'ai comme rangée ombre? La créature entrant dans cette rangée sont dans l'ombre. Rangée normale, ok. Alors là faut réfléchir. Par mon honneur. Ah, ce qui peut être intéressant c'est de faire ça. Comme ça, il a beaucoup de PV et il a un coup fatal. Donc, n'importe qui l'attaque, il le tue. Ponction, quand vous infligez des dégâts durant votre tour, vous gagnez autant de points de santé. C'est bâtard ça. Ouh. Ah, je fais plus de dégâts avec mon truc. Oh le bâtard. Ah, la malédiction là. Ouais, il est pas mal à tester, hein. Écoute, si tu veux l'essayer, tu vas sur Google, hein, tu tapes The Elder Scrolls Legends, et il est en bêta ouverte, hein, donc gratuite. Bon, je peux jouer rien du tout, si. Ah, j'ai une vipère avec charge et coup fatal. Ouais, bah, elle va mourir, mais je vais fumer ce truc-là, parce que sinon, il va tellement me faire chier. Par contre, j'ai une malédiction à la con. Je fais 0 dégâts, maintenant. 9-1, il y a intérêt à le tomber rapidement ce truc là. Bah ben voilà, on va faire ça. Du coup je vais mourir, mais c'est pas grave, on attend le coup. Allez, on a clean le board. Je vais le DL et tester ça, ça me permettra de voir autre chose que Dofus. Qui est un bon jeu, et encore merci pour ton run sur... sur le donjon des champs, ça m'a été utile. Faudra qu'on en refasse d'ailleurs. Ça sera l'épisode 19 si t'as
pour information. Alors, il y a du 5-3 au début de votre tour. Alit Maudit vous inflige 2 points de dégâts. À toi, alors, j'imagine, à l'ennemi. Bon, là, ils sont chiants. Garde, invoqué, gagne plus 1 de magie maximum. Quand magie au maximum augmente, gagne plus 1. Bon, je vais mettre un garde. Ça marche, merci, Little Bast. Il est chiant ce Spriggan là. J'avais un truc avec une charge, non? Non, j'ai pas de truc avec une charge. On va se poser des bonhommes en coup fatal. Et au prochain tour, on tourne. Là, je suis trop pauvre, mais plus tard, t'auras un petit cadeau. Bah oui, t'inquiète pas, ça marche, y'a pas de soucis, mon cher Bastien. Tu fais comme tu peux, quand tu veux, comme tu veux, y'a aucun souci. Bon, je suis passé à 19 et l'autre il a 31. Là, ça commence à péter la gueule, enfin un peu se réveiller, mon petit calme. Moi je jouerais bien des fois à Farming Simulator, c'est tout con, mais moi tous les jeux de simulator, les road truck, les farming, tout ça, ça me fait délirer. Bon alors, j'ai des persos, ouais mais là il va se tuer tout seul, putain. En même temps faut que je clean la board, hein, sinon on n'y arrivera pas. Bon, on va, ce qu'on va faire, on va clean ici, on va clean un peu là. Il va poser le Léviathan pour lui faire un peu peur. Et là, par contre, il va falloir commencer à attaquer. Putain, c'est plus que 15. Hein. Prophétie. N'éprouvez pas la patience de votre. Ah là, putain. En plus, il me leech VPV quoi. Régénération, ce soigne le début de votre tour. Ça, c'est bon ça. Allez, on va poser. C'est moi qui commande ici. On va refouter un Léviathan. Et là, on fout la grosse pression. C'est parti. Donc, j'ai un garde de ce côté. Pas de problème. Je vais clean là. Mon garde, il va tenir le prochain tour. Et là, on y va. C'est parti. On a marre. C'était pas prévu ça. Oh la vache. Oh la salope. Oh putain. Bizarre qu'il soit pas sur Steam. Ouais bah je pense que ça sera, il sortira sur Steam quand il sera en sortie officiellement, ce qui n'est pas encore le cas. Bon, là c'est chaud. Je vous protégerai comme l'œuf qui vient d'éclore. Ah, je me suis craqué. Nous retournons tous à la fange. Allez. Je tiens mon pouvoir de ces arbres. On a pris un peu plus le contrôle de la board, là il faut pas se réveiller. On s'est cassé les dents un peu sur mon. Non, pas le choix. Malade.
Ouh, ça peut être magique. Donner une attaque supplémentaire à une créature pour ce tour. On va faire... Et lui, il va attaquer deux fois, et là... Poum ! Et poum ! Et on va balancer mes derniers... C'est un beau jour dernière carte. Allez. Allez, il est à 2, je suis à 9. C'est le moment de lui mettre. Pas grave, c'est rien ça. C'est rien. Allez, on n'en parle plus. Adieu. Pas évident quand même. Alors que les brigands tombaient morts, les voyageurs aperçurent l'un d'entre eux qui leur faisait signe de le rejoindre dans les bois. Nag aurait suivi. Mais merde, dit toujours que celui-ci est trop curieux. Alors, est-ce qu'on suit ou est-ce qu'on le pille? Sprigan, si je le suis, j'ai la carte Sprigan Vendant 1-5, on va gagner des points de santé. Sprigan Vendant gagne autant de points de puissance. Ou régénération plus 1 plus 3. Je sais pas. On le garde, cet enculé, ou... On le pille. La régène plus 1 plus 3, c'est bon, sa régénération se soigne au début de votre tour. On prend ça plutôt. On va plutôt prendre ça. Les aventuriers ne firent pas confiance à la créature, et ils trouvèrent un trésor qu'elle avait sans aucun doute cherché à leur cacher. C'est pas mal foutu ce mode d'histoire. Permet de construire son deck tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Pourri. Agité. Mise à mort sur une créature ennemie blessée. Ponction. Quand vous infligez des dégâts durant votre tour, vous gagnez autant de points de santé. Vite gousse intrépide. Prophétie chapardage. Bizarre, mon compte Bethesda a déjà été créé mais pas validé. Et quand je demande à le valider, ça envoie un email sur mon adresse. Tu viens de le créer là, ton compte Bethesda, ou pas? Les adeptes avaient trouvé refuge dans une ruine ancienne. Uniquement pour se retrouver victime de ces féroces occupants. Nanette ! J'aurais bien besoin d'un coup de main. Allez, on va aider Nanette. Parce que moi, j'avais déjà un compte Bethesda avec notamment... Zero Scroll Online, mais j'ai dû me recréer un compte parce que c'est pas pareil. Ah, si tu viens de le créer aujourd'hui, c'est bizarre. Alors, à côté, c'est quoi ranger ? Merci de m'avoir sauvé. Est-ce que tous les adeptes sont morts? J'en ai bien l'impression. Restons prudents, sinon ce sera notre tour. Alors, Nanette, vous commencez. Sprigan Sauvage. Invoquer un renard lignage 2-3. Ça va virer. Hop, et je peux rien jouer. Parce qu'on gagne 2-0 lors votre tour, ça veut rien dire. Ah d'accord. La puissance de liste me submerge. Oh bâtard. Donc ça va être chiant. Allez, ça c'est pas mal. Pas faire grand chose pour le moment. Si boucher d'obscuron est dans votre main lors de votre premier tour, réduisez son coût à 1. Ah bâtard. Malin. Bon. Tu peux rien jouer. Faites attention.
Ces gobelins avaient un chef puissant quand je suis arrivée. Nous ferions mieux d'en exécuter le plus possible avant qu'ils ne reviennent. Ouais, voilà, ma pauvre. Rien faire. La nique, là. J'espère que sur ce jeu il y aura du monde pour faire des parties histoire de pas se retrouver sur un jeu multi en mode solo. Non, moi, il y aura toujours du monde là-dessus. En plus, il a été traduit en russe, alors tu sais, les Russes, ce genre de jeu, ils aiment bien. Allez, invoquer, donne coup fatal à une créature, c'est parti. Votre serviteuse vous offre quelque chose de savoureux. Ah merde, je me suis trompé. Ah, j'ai pas compris, je croyais que ça faisait un coup fatal et que ça tuait l'adversaire. Et non, j'ai donné coup fatal à lui, donc s'il attaque, il tue en un coup. Oh, j'étais trop nul. Oh, putain. Oh, mais quel boulet. Ah, c'était ignoble. Ah, bah là, je peux recommencer. T'as eu une grosse coupure. Ah, bah, c'est revenu alors, j'espère. Cher Little Bast. Ah, putain, la nique. Putain, c'est chaud, là. La forêt est ma force et mon courage. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Je suis déçu de moi. Bon. 1-1, garde. C'est réservé aux clients. Mêlez-vous de vos affaires. Comment ils font trop mal. Salut Acadia, comment ça va, cher ami? Ah, y a pas grand monde l'après-midi comme ça. Hein. Bon là, je sais pas trop. Là, c'est chaud quand même. Là, c'est chaud. Je sais pas trop quoi je vais là. Réservé aux clients. C'est une la borne, sinon je vais y arriver. 1-1, avec coup fatal. Coup fatal. Je vais faire ça comme ça. On va commencer à le fumer, c'est enculé. Et là, je suis à 7. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Faites comme chez vous. Bon, on va falloir commencer à se poser un peu. Ouais, j'ai réinstallé le bot, le Wizbot. Ah, t'es rang 12, Acadia, beau gosse. J'ai commencé à installer Wizbot histoire d'avoir plus de fonctionnalités en tout genre. 4. Allez, c'est parti. On va reprendre le dessus. 27-9. Bâtard, il va me fumer là. Pas bien là. Là je suis grave trop mal.
affronter ma lame. J'ai pas un garde, j'ai pas quelque chose comme ça. Ah putain, je suis grave trop mal. Ça fait 1 an et 4 jours que tu me suis. C'est beau. C'est qui d'ailleurs les trois premiers, le top 3? Ah, là on va faire ça. On gagne un peu de vie. Du sang sur l'eau. Bon bah avec mes 6 PV, je sais pas le faire. Hein. Ah putain, il vient me tuer. Fallait faire ton coup fatal sur ton 01 pour fumer son mob. Defeat. Allez, ça va. Rocket Guild, coup fatal. On va pouvoir le up. Invoquer et piocher une carte. Si elle coûte 7 ou plus, on coûte dans une nouvelle. Prophétie, coup fatal, garde. Ah, c'est bien ça, ça fait tout. Alors, nouveau deck, Vengeur, Dunmer. Ok. Plus impérial. Légionnaire impérial. Ok. Bah, va falloir recommencer. On va essayer le deck Vengeur Dumber que je connais pas. Merci de m'avoir sauvé. Attends, c'est pas encore fait, même. Est-ce que tous les adeptes sont morts? J'en ai bien l'impression. Restons prudents, sinon ce sera notre tour. Là, je connais pas ce deck là, va falloir que. Ouh. Invoqué, non, bah non. Je connais pas ce deck là, doucement, doucement, doucement. Je peux rien jouer, très bien, parfait. Garde, dernier souffle, piocher une carte. Mon épée me démange. On va le fumer hein, avant qu'il s'excite trop. Donc on va péter l'éclair. Faites attention, ces gobelins avaient un chef puissant quand je suis arrivé. Ah, comme ça, oui, oui. Il y a un système de classe. Car sinon, non, moi je trouve. Car sinon, non, je trouve ça bien. Un système de classe, c'est-à-dire comme Hearthstone entre le guerrier et le. C'est ça que tu veux dire? Le guerrier qui a que des cartes guerrier, le chaman qui a que des cartes chaman, etc. Et c'est ça ta question. Invoquer, donner plus de. Ça c'est bon ça. Résistons. Allez. Ensemble pour la crevasse! Allez, va, on peut perdre mon temps! Attaque. Il faut fumer aussi. Prophétie. Ah, garde.
Et souffle, j'ai pris un... Votre fin okay. est proche. Vous me faites perdre Allez. Mon temps. Retournez d'où vous venez. Non, t'as pas de système de classe. T'as un système de race. Donc tu peux être... Moi, je suis impérial, par exemple. Tu peux être... Tu peux être... toutes les autres races de la licence The Elder Scrolls. Ça apporte juste un passif. Je répandrai votre sang. Après ton deck, tu fais ce que tu veux. Tu peux tout mélanger. Comme c'est pas comme comme Hearthstone où si tu prends le guerrier, tu as que des cartes du guerrier, etc. Là, tu peux tout mélanger. Il y a aucun souci. Ce jeu gratuit, tout à fait. Il est en open beta actuellement. Tu peux y jouer gratuitement en bêta ouverte si tu t'inscris. Bon, 0-1. Invoquer, donne. Alors je suis à 4, j'aimerais bien poser un peu tout, voilà. Le courage de Nerevar est avec moi. Voilà. La meilleure protection du marché. Boum. Et là, on est tous en mode chaud de la bite. Mourez, étranger. Meurs vite. Vous me faites perdre mon temps. Retournez d'où vous venez. Elle est là 22. 22-21. Allez, il n'y a plus rien sur sa borne, c'est maintenant qu'il faut y aller. Auriel, donne-moi la force. Mon épée me démange. Mourez, étranger. Meurs, vite. Vous me faites perdre mon temps. Carte de prophétie, non. Retournez d'où vous venez. Là, je suis en colère. Ah, je suis colère, hein. Putain. Alors, lui faut le fumer, mais je suis en... Vous me faites perdre mon temps. Faut le fumer. Ah, je peux pas, il est en nombre. Ah oui. Pourquoi il brille comme ça, lui? Invoqué, effet bonus, une fois joué. Ah oui, parce que j'ai plus de PV que l'autre. Si vous avez plus de points de santé, votre serre, pour la prochaine carte que vous jouez pendant ce tour est de 5. Voilà, qu'est-ce que je joue? Regarde. Ferme. J'amène des renforts. Évitez les ennuis, gredin. Allez, j'aurai la victoire. Mourez, étranger. Ifre, guide mon bras. Vous me faites perdre mon temps. Vous me faites perdre mon temps. Sûr. Là, je suis encore. Voilà. Quand même. Ça m'aurait fait mal. Si je t'ai répondu, Acadia. Si j'ai répondu. C'est toi qui as passé 8, Bastien. C'est tout, c'est comme ça. Allez, 40 gold. La Knight avait appris que le culte était secrètement dirigé par le seigneur Marifin, le seigneur de guerre du domaine, qui avait capturé la cité impériale. Pour réaliser la prophétie, il entendait sacrifier tous les habitants de la cité. La Knight suggéra de partir à la recherche de l'armée impériale, alors en exil en bord de ciel, pour avertir l'empereur à propos du complot de Marifin. Mm-hmm. La Knight vous a rejoint. Cool. Les loot, les loot, les loot. Merci, Acadia. Ah, je vois un petit coup. Hein. Je suis en mode camionneur. Chapitre 12, je toi l'emmener. Ça sent l'araignée. Ça. C'est le plus court chemin que je connaisse pour bord de ciel. Mais pas le plus sûr. Allez, une grosse araignée dégueulasse, c'est parti. On va rester avec les Vengeurs d'Honneur. Ça touche bien. Les araignées se faufilent hors du nid à proximité. Ah là, deux bonus, cause bordel. Alors, infliger 3 points de dégâts à un ennemi choisi notamment. Au dernier souffle, ça c'est bon.
dernier souffle. Ouais, on va rester comme ça. Permanent au début de votre tour, invoquez une araignée choisie aléatoirement. Ah ouais, ça coûte 7. Bâtard, c'est chaud. Votre fin est proche. Ah ouais. Entrave. Oh non. Oh non, comment t'abuses. Au fait, tu fais pas les chapitres dans l'ordre? Si, si. J'ai commencé live, on était au 9, on est au 12 là. C'est dans l'ordre. C'est quoi comme bière? C'est de la Trois-Monts. Bière du Nord, bière de papa, bière qui cogne. Bah du coup... Si, si, je suis dans l'ordre, Bast. Allez, on va faire ça, regardez. Je sacrifie lui. Oh. Ah, putain, bâtard! Dernier souffle, j'ai la santé, invoquer plus de sang et couvre-t-elle si la part un quart de votre deck et. Il est à mes côtés! Yeah! Non, raté. Eh, hey, bande de salopes! Et donc? Ils n'ont aucune chance de me battre! La forêt est à nous! Allez, on finit un peu. Prophétie! Donne-moi la force. Ah putain, il fait chier avec son entrave lui. Comment il a d'araignée? Le courage de Nerevar est avec moi. À l'aube comme au crépuscule. Bon, là, faut je me déplace ah, comme entrave, quoi. Je peux pas attaquer, je peux rien faire. Cool. La forêt est à nous. Oh, c'est trop facile. J'ai aucune garde pour me protéger. Oh, je me fais entrave en boucle. Je peux rien faire. Mais quel salope. C'est chiant. Alors, invoquer. Oh, du calme. Ça. Du coup, j'ai fumé ma magie pour rien et là je ne peux pas bouger. La forêt enfin, la pression est à nous. Sur elle. Oh, c'est trop facile. Oh, c'est trop facile. Non. Allez, il se casse les dents sur ma borne, c'est bien, c'est prévu. Voilà. Tu as vu la vidéo que je t'ai envoyée sur Facebook? Ah oui. L'intégration en VR de Elite Dangerous, j'ai testé Elite Dangerous en VR, c'est assez impressionnant, effectivement. Assez impressionnant, ça fait un peu peur au début. La forêt est à nous! Après c'est vachement dur de jouer comme ça en VR parce que c'est assez... C'est fatigant, franchement c'est très fatigant.
Ça, c'est bien ça. Par les sœurs de la mer. Vu comment tes idées se font entrave, ça pue les défaites. Non, regarde, attends, je remonte carrément là. L'entrave, c'était rien, c'était c'est pour m'impressionner, mais. Connerie, il m'entrave comme un con, mais il a des araignées, elles font pas de dégâts quoi. Donc voilà. Lui, on va l'enlever. Parce que sinon, il one shot. Lui, on va le rejeter plus 2. Là, on attaque. Et prochain tour, elle est morte. Ah oui, plutôt sympa, j'aime beaucoup moi, je cool. J'aime bien les TCG, mais j'ai toujours eu du mal à Kerstone. Et là, franchement, je préfère largement ce que j'ai entre les pattes là. Ah, il m'en. Bien évidemment. Bon, on va pouvoir faire autrement. Ou pas. Aux armes. Hop. On va faire ça. On va faire ça et prochain tour c'est bon. Allez Zou, basta. Vont peut-être perdre mon temps. On va voir quel chapitre 13. Avant-dernier ou dernier, je sais plus. Il faut aller jusqu'au chapitre 14 de l'histoire pour pouvoir faire les classés. On commencera par les classés, on fera déjà des matchs normaux. Puis on sera un deck avant. Surtout. Dans l'étoile d'araignée, ils trouvèrent un marchand aux elfes qui appelait à l'aide. L'ont-ils libéré? Ils pourraient révéler leur emplacement au domaine. Celui-ci aurait pris son or. Ah, j'avais compris que c'était VR, moi j'ai rien compris alors, Acadia. Ah d'accord. Le mec il est juste dans un écran. Ah, fou. Aidez colporteur au elf 2-2 à la fin de votre chaque tour, prochaine carte. Ah, plutôt ça, prendre ça plutôt que pour 50 pièces d'or. Ah d'accord, j'avais pas compris au fait. Les voyageurs ne voulurent pas le laisser mourir, quel que soit le risque encouru. Donc je suis vraiment con. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme carte régénération. Ça sonne au bout de chaque tour. Trappeur de Sylvanar. Invoqué, gagne, charge s'il y a une créature ennemie blessée sur l'étranger. Ça va être compliqué tous les bonus là. Hein. C'est bon ça. Ah, personne dans cette taverne ne sait où peuvent bien camper les forces de l'empereur. Ou peut-être que les gens du coin n'apprécient pas les impériaux. Et là, on va se faire manger. Allez, dernier chapitre avant le coffre. On va jouer toujours avec le deck vengeur. Bagarre de taverne. Force volonté. Une bagarre a éclaté dans la taverne. Attention, j'ai une bouteille. Pourquoi est-ce qu'ils essaient de nous tuer? Ce sont des assassins? Des agents du domaine? Ce sont des nordiques. C'est ce qu'on fait pour s'amuser. Tu ne me fais pas peur, sale Ragnar! Bâtard, c'est bâtard ça. Quand une rune ennemie est détruite, inflige un point de dégâts à votre. Oh, c'est bâtard aussi ça. Bon, là faut réfléchir. Inflige entrave et un point de dégâts à une créature. Hop. Et nous on va se poser. Votre fin est proche. Tu sais s'il y a des cartes rares et piques légendaires, oui. T'as un système de classement de. Un système de rareté des cartes qui est sur 5 paliers, je crois. On verra ça juste après, rappelle-le-moi. On fait
fini le combat là, on ira voir. Il y a, tu peux voir dans tes decks la race des cartes. Alors. Bon, la garde. Voici. Mon épée me démange. Mourez, étranger! Et t'as un système de fabrication de cartes aussi, à la manière d'un Hearthstone. Encore. Toujours. Oh, bâtard! À l'attaque! Je prends l'avant-garde! Oula, oula! Connor dit qu'Intrépide reçoit les dégâts et gagne 2-0. Ah! Là, ça pue de la gueule. Là, ça pue de la gueule, grave. C'est moi qui contrôle les éléments. Mourez, étranger! Bon. Vous me faites perdre mon temps! Allez, on y croit. Oh putain! Nous honorons Kin. Ah la vache! 6 en garde. Avec une percée en plus. Allez, on force. 8-3. Percé. Il est temps de se battre. Il est temps de se battre. Oh là là là. Là c'est chaud. Là c'est grave chaud quand même. Oh. Allô, putain. Il va me fumer de l'air. Oh. Oh bah je gratte. Auriel, donne-moi la force. C'est ça, Hearthstone version TES. Ah, c'est bon, putain, ça m'a sauvé ça. Vous ne pouvez pas vous échapper. Allez, là par contre, faut se réveiller. Talos. Là, faut se réveiller. Là, faut se réveiller. Lui il est toujours en pote. C'est trop facile. Donc si je fais ça, il meurt pas. En plus je fais une invoque. C'est parfait. Avec une belle garde. Donc j'ai deux gardes avec des gros PV. 1, 2, 3, 4. Ça tient le coup. Donc vont on attaque. Perdre mon temps. En espérant qu'il ne sorte pas du spécial à la con. Attention. C'est bon. Par les feux d'Alcouine. C'est rien. Ça clean. Suivez-moi. Quand porte-drapeau de Market attaque, placez deux brandons nordiques. Ah, il va encore le fumer avant qu'il attaque. Oh, parfait. Ou pas. 3. Bon, on va te sacrifier, désolé. On peut poser 2. Un garde. Et là, on y va. À l'aube comme au crépuscule, bon, je me déplace mon temps. Comme une onde. C'est trop facile. Je suis votre égal. Rappelle-moi ce qu'il fallait que je te montre, Bastien, après. La création de cartes, non, les cartes rares et tout, le classement de cartes. Venez vous réchauffer. Bon, pareil, lui, il fait mal. Quand une rune ennemie détruite, inflige un point de dégâts. Ça devrait être bien. Ouh, il y a du groupe PV en face. Ça c'est GG. Et ça c'est GG. Ok. Évitez les ennuis, gredin. Bon, on va sacrifier le petit là. Et hop, on est pas mal. Je suis votre égal. Il est bien ce deck Dunmer. En garde, misérable, vite. Allez, 18-10. Votre heure est venue. Oh, 2-7. Aujourd'hui, nous serons victorieux. Ah, là, ça commence à coller 5-5-2-7.
4. On va faire ça. On va faire ça. En garde, misérable, vite. On va faire ça et là on gagne. J'ai dit pas d'ennui. Je suis votre voilà. Oui, je te rappellerai, sinon j'aime mieux ces dizaines de cartes que ceux sur Redstone. Je les trouve plus réels sur Redstone, ils ressemblent à d'autres cartes Pokémon. Ouais, non, c'est autre chose, c'est vrai. Moi aussi, je préfère. Ça fait, t'as plus l'impression de jouer avec des vraies cartes, un vrai RPG, et pas un truc de gosse. On se comprend. Bah voilà, on a fait le chapitre 13. On se quête. 10 sous. Un paquet de cartes qu'on ouvrira tout à l'heure. Et intelligence. On a harpie hurlante, harpie, prophétie. Invoquer, inflige, entrave à une créature ennemie. Oh bien, j'ai pas vu les autres. Prophétie, infliger 4 points de dégâts. C'est une action. Livre d'altération objet, invoquer, piocher une carte. Et c'est plus complexe, je trouve, dans les règles, etc. Si oui, on y va. La Légion devrait être proche. Les voilà. Salutations. Je suis Tyr, chevalier frère des lames. Ils n'ont pas l'air contents de vous voir. Donc ça sera le prochain chapitre avant d'avoir le gros coffre. Mais avant... Alors je te montre, on va dans notre bibliothèque. Oh, attends, on va juste ouvrir quand même le paquet, là il y a un paquet qui traîne, il faut l'ouvrir. Alors, Arbitre Impérial 06, Escroll 3-2, tout ça j'ai déjà. Éclair enflammé, j'ai déjà, je connais. Ça, je connais déjà. Tout ça, c'est des cartes que j'ai déjà. Bah, je les aurai en double, en triple, comme ça, je pourrai en mettre plusieurs dans le deck. Pas de souci. Donc, mon petit bouchon. Pour voir tes cartes, ici. Voilà. Là, j'ai 20% de toutes les cartes que j'ai déjà obtenues. Parce que je joue déjà depuis un certain temps. J'en ai 45% de communes. Non, ça, c'est en totalité. 27% de rares. 9% d'épiques. Et j'en ai 0 de légendaire. Donc voilà comment marche le système de rareté des cartes. Alors, TUSL, c'est Hearthstone en mieux, moins MG BZ, moins enfantin, et la communauté est beaucoup moins puante surtout, nous dit Sky Nomad 08. Bienvenue à toi, Sky Nomad, fais comme chez toi. Alors, moi, j'ai jamais été un gros fan de Hearthstone, j'y ai joué très peu, j'ai pas trop aimé, mais là, j'apprécie pas mal. Franchement, là, le TUS Legend, j'apprécie pas mal, donc... Je prends ton commentaire en considération, mon cher Sky Nomad. N'hésite pas à t'abonner, à faire un petit pouce bleu, etc. Allez, chapitre 14. On va essayer de se le faire tranquillement. Donc, le déserteur impérial, vous commencez. Ok, pas ça. Jouer. Soyons fous. Nous n'y retournerons pas. La Légion impériale est vouée à la destruction. Votre fin est proche. Allez. Soldats au rapport. Quels sont vos ordres? Putain. Mourez, étranger. Une et trois. L'entraînement est terminé. Il est temps d'agir. Là, il va falloir la fumer rapidement. J'écoute et j'obéis. Avant qu'elle prenne trop de dégâts. Mon épée me démange. C'est noté. Vous ne pouvez pas me vaincre. What the fuck is that it? Observation des deux lunes. Si votre adversaire ne vous inflige pas de dégâts durant son tour, sacrifiez ceci et invoquez un prêtre des lunes.
Dans chaque rangée. Oh bâtard. Oh, c'est pute. C'est grave pute, je trouve, son truc là. Invoquer. Si vous avez plus de points de santé grâce à ça, donnez un mot-clé. Choisis éternellement à chaque créature alliée. Mot-clé. Les mots-clés sont percés. Ah, ok, d'accord. C'est un buff, quoi. Ouais. Est-ce que c'est utile? Pas vraiment. Garde. Ils n'ont aucune chance de me battre. Vont perdre mon temps. Vous ne pouvez pas. Bâtard. Là. Il va falloir être malin, mon petit Kaz. Allez, on va l'enlever. S'excite trop. Voilà, ça c'est fait. Invoquer, piocher une carte, dernier souffle, placer un col. Bon, allez hop, c'est parti. Dansons. Oh, c'est trop facile. On va faire le ménage. Calmez-vous et rangez vos griffes. Je suis là pour servir. Oula, du calme. Kajit ne trouve pas ça drôle. Kajit ne trouve pas ça drôle. Ouh, les casse-couilles. Ils mourront pour la gloire de l'Empire. Le mec qui commence à poser grave. Sacrifier une créature pour s'infliger 100 points de dégâts à une autre créature. Je t'ai eu. Là, ça commence à causer un petit peu, là. J'aurai la victoire. Mon épée me dérange. Défensif, hein. J'ai plus de musique, là. Il y a un plan. Il y a toujours. Ça se fait. Hop. Ici. Kajit ne trouve pas ça drôle. Votre mort tient à mon bon vouloir. Vous allez le payer. C'est dur comme jeu. Putain, c'est chaud là. Vont peut-être perdre mon temps. Oh, c'est trop facile. Votre fin est proche. Votre fin est proche. Ça, c'est pas con, ça. C'est pas con. Merde. Ça aurait pu être mieux. Le courage de Nereva. Mais c'est pas mal. Avec moi. Allez, on se reprend. 27-21. Rien n'est joué. Vous ne déjouerez pas mes plans. Quels sont What? Vos ordres? Oh non. Oh comment c'est... Pute. Ah bâtard. C'est grave. Mourez étranger. Assez joué. Oh. Je suis... Tristitude là.
Ceci sera allez, le dernier là, jour faut, de fouiller. J'écoute et j'obéis. C'est noté. Dans la brèche. C'est noté. C'est rien. Qui va là? Quels sont vos ordres? C'est rien. C'est rien. Vous l'avez bien cherché. Vas-y. Vous l'avez bien cherché. Boum. Là, tu passes ton 10-10. Allez. Il me faudrait un petit... J'ai pas un garde. Si, j'ai un garde. À moi. Garde 4, c'est parfait. Allez, là, ça tombe. J'écoute et j'obéis. Hop. Hop. Je répandrai votre sang. C'est noté. Hop. J'écoute et j'obéis. La Légion est prête. Allez, s'il a pas une charge, une connerie comme ça. Allez, c'est parti. Ça y va. Ouh, bah oui, tiens, regarde. Résistons ensemble pour la crevasse. Je suis à 12, 15, l'autre il est à 19, on est pas mal. À 18, je suis à 18, je peux lui mettre moins 18. De toute façon, j'ai pas le choix, là. Des deux côtés, j'ai pas le choix. Bon, allez, on y va. Par la pitié de Stenda. J'ai un peu craqué quand même. Ah, j'ai fait nimp, c'est ma faute. J'ai fait nimp, excusez-moi. Vous l'avez bien cherché. Prophétie. Qui va là? Invoque quoi? Quels sont vos ordres? Oh la salope. Oh, j'ai chié. La victoire sera nôtre. Oh bâtard. Noté. Dommage. Ah, il y a eu un raté sur la fin là. Je me suis laissé aller. Ça arrive. Ça arrive. Même au meilleur. Allez, on va pouvoir améliorer le garde. De Camlorn, Prophecy Guard de 4 ou 4 de garde. Eh, y'a plus de garde là-dessus. Allez, comme ça. Bonus impérial. Plus un 3, obligé. Bon, c'est pas grave, on se le refera. Je vais faire une petite pause, juste le temps d'aller pisser un coup, les amis. Et puis on se retrouve pour faire un match contre un vrai joueur. Allez, à tout de suite, dans 2 minutes, à peine.
Heureux. Dommage, je veux te voir gagner. Mais on a presque gagné. On a gagné beaucoup de fois. Mais par contre, en termes d'histoire, c'est vrai. Par contre, on va se faire notre deck. On va se construire un deck. Et on va partir en mode multi. Allez, on va l'appeler. Pour commencer, ajoutez la carte préférée de votre collection à votre deck. Ok, c'est parti. La carte préférée de la collection. J'en sais rien. Alors, dans les styles. Neutre. Double attribut. Pourquoi 1 ? Ah oui, d'accord, c'est une nouvelle carte. Ok, d'accord, c'est pour voir les nouvelles cartes. On dit un petit 1, un petit 2, d'accord. On va enlever tout ça là. Hop. Nouveau. Et bah on va se faire un petit deck et on va partir sur un match contre un autre joueur. En mode zen, en mode bière et en mode Marcel. Donc pour commencer, choisir la carte que je préfère. Bah j'en sais rien moi, mon petit bouchon. J'aime bien les cartes force moi. Pas la trier par... Ah si, légendaire, j'en ai pas. Ah si, j'en ai une. Beau gosse. C'est vrai que ça pète quand même. Épique. Dernier sous 33. Invoquer un mocaronnage et âge de 3. Je crois qu'on est parti sur de l'AJ hein, avec tout ça. Ma carte préférée, mais merde, j'en sais rien moi, putain, c'est quoi cette question la con ? Truc pas trop compliqué, c'est mieux. Être que ce que je veux comme carte préférée. Bon, moi j'aime beaucoup force. J'aime bien les cartes à. Quand il botte un fouille attaque, un fouille. Ça c'est bien ça. Quand tu commences. Allez. Ajoutez une autre carte. Les decks peuvent utiliser deux attributs. Donc vous pouvez utiliser le même attribut. Ok, donc on va jouer force avec un autre attribut. Force agit. C'est parti. Force agit. On va être les éclaireuses. Continuez d'ajouter vos cartes. Je suis à 2. Donc les decks, il faut avoir au moins 50 cartes et on peut aller jusqu'à 70 pour information. On va jouer force agit. Ça peut être utile. Fonction. Oh. Romain. Ça peut être utile aussi. Ça c'est bon ça. En fait elle garde. On va aller voir un petit peu maintenant la neutre. Qu'est-ce qu'on a en neutre ? Des actions pas mal. Ça c'est bon aussi. C'est pas mal. Ça va être utile. Hop, ok. J'en suis à 17,50. Hop. On va prendre des cartes faibles. Un petit peu dans les rangs.
26,50. On construit tranquillement. C'est bon ça. 104. J'attends 3,50. Sympa le coup de la carte et 3, donc ça te prend 3 places. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Attends, regarde. Non, tu mets 50 cartes unitaires. C'est en unité de carte, mon petit bouchon. T'inquiète pas, ça arrive à tout le monde de se tromper. Je ne t'en veux pas. Ma petite poulette. Ah oui, d'accord. Alors, j'en suis où? Là, j'ai... Ça, j'ai pas pris. Bon, excuse-moi, je console mon deck, on ira après. Hein. Oh, hop, du calme! Du coup, je suis considéré comme un archer. 0, 1, 2, 3, j'ai beaucoup de cartes. 3, j'ai pas beaucoup de... Ouais, 1 et 0 et 1, on va voir ce qu'il y a. Et après, on passe direct sur les 5-6. 0. J'ai pas. 1. Et après, on passe sur les 5-6. C'est parti. Je suis à 42. Ça, c'est le truc légendaire, ça pète. Je suis à 48. Donc, il y en a que j'ai pas pris, qu'il faudrait que je prenne. Voilà, crocodile de chasse, 3-2 pour 2 points, ça vaut le coup finalement. 50 cartes et la taille minimum d'un deck. La plupart des joueurs préfèrent ça. Vous pouvez définir un nom pour votre deck, puis sélectionner terminé pour le sauvegarder. Allez, on va l'appeler... The Deck. The Deck. Oh gosse, on va lui mettre un autre skin. C'est pas une outre, une binouze, quelque chose comme ça. Bon. Voilà, une gonzesse. The Deck. Ok. Par contre, je pense qu'on peut... On va mettre ça. Une petite prophétie. Non, ça sert à rien ça. Rebelle des dunes, on va le virer. Ça peut être utile. Ça aussi. Allez, on termine comme ça, 53-4 sur 50. On est parti pour une game contre un joueur. On va essayer d'être intelligent. Allez, ouf. Donc Dadek, en nom classé, bien évidemment. Jouer. Tu vois, t'en attends 23 secondes pour te dire qu'il y a du monde sur ce jeu. Un jeu de bonhomme. Moi, je me ferais bien un petit jeu simulation après. Genre un Euro Truck, un truc comme ça à la con, j'aime bien. Un Planet Coaster, un Famic Simulator. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a en boutique. Alors, trouver. Happy Dog, le héros oublié contre Casamania, l'os de la terre, et lui joue un force volonté. Vous êtes second.
Allez, zou. Ça marche, merci Bast. On va essayer de gagner. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à vous abonner, à faire un petit coucou. C'est interactif ici, c'est le but. Au nom du Jarl, arrêtez! Nous sommes prêts au pire. Ponction, quand vous avez fait des dégâts, durant votre tour, gagnez autant de points de santé. Allez, la victoire. Ouais, c'est vrai qu'il y a une ponction, mais c'est pas énorme. Parlez-moi de vos blessures. Oh, bâtard. Ça, c'était pas prévu. Oh, vas-y, sérieux. Garde à 1-5. Ah la bâtard. Ça n'a rien de possible. Ah, il shoot la bite lui. Alors, la question c'est, est-ce que si j'invoque mon chasseur, je peux Bandar faire... Vous ouais. Ok. On va commencer à travailler sur là. Affronte-moi, sale orque. Et bien, je... Et bien. Allez. Par contre, le gars qui cale du garde... Ronde d'affilée, ça fait chier. Ça n'a rien de personnel. Toujours rien. Avec tes 4 points de magie, ça me fait peur. Ça me fait grave peur si tu joues rien, bonhomme. Non, oui, non. 3-4, qu'est-ce que c'est cette horreur? Infliger 2 points de dégâts à une créature alliée. Ça c'est bon ça, merci. Avec garde. Avec garde, ah, ça pue. Allez. Il prête à m'écouter. Ah putain. Affronte-moi, sale orque. Que Sovengarde vous envoie pour le pacte vert. Mathieu 22. Bien le bonjour à vous. Quels sont les ordres? Alors, je
pas mal. J'amène des renforts. Deux. La forêt est à nous. Trois. Pour le pacte vert, que Sovngarde vous emporte. Allez, 25-16, c'est pas mal. Pour une première game online, on est pas mal. Allez, va. Tiens la board. 4-2. Je suis à 11. Soldats au rapport. Quels sont vos ordres? C'est rien ça. Là, ça tombe direct. Qu'est-ce que tu fais? Non, on le tient, pas de soucis, on le tient. On le tient parce qu'on fait ça. Panda vous maudisse. Il y a 3. Mais si je fais ça. Non, là, on parle plus. Oui, je peux pas le toucher. On va la le laisser. Forêt est à nous. Boom. Ifre, guide mon bras. Boom. Sovngarde vous emporte. Boom. Boom de PV. Et merci pour l'abo, cher ami. Bienvenue à toi, mon cher Bouchakouche. Bracouche. Fais comme chez toi. Mets-toi à l'aise. Y'a pas de souci. Comme on dit. Non. Allez, ça win. Ils ne passeront pas. Non, voilà. T'excites pas, bonhomme, c'est foutu pour toi. Hein. Bah, allez, passe. Je te finis, je n'en parle plus. On a gagné, et zou. Je m'occupe du rempart. Nous sommes prêts au pire. Ponction. Dans la brèche. Alors, on va déjà faire ça. On a ici. Pour le pacte vert. Hop. Et puis la voilà, on finit, hein. On peut pas faire de plaisir. Voilà, donc on a durant ce live. Monté le mode histoire, on a fait la première bataille contre un autre joueur qu'on a gagné avec grand plaisir. Merci à tous ceux qui sont passés, Little Past, Acadia, merci à toi mon cher Bachaku, je vais être abonné. On va faire une petite pause et on va se relancer un petit live très bientôt, dans quelques minutes, sur un autre jeu. Je vous souhaite à tous de bons moments, à très bientôt, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube en rediffusion. À la prochaine, c'était Kaz.